Chez Accroche-Cœur, nous aimons les photographes qui savent capturer l'émotion d'un regard ou un instant suspendu. Sylvain Joubert de Tropic Vision saura immortaliser avec talent le plus beau jour de votre vie. J'ai commencé à faire de la photographie pour partager avec mes proches les découvertes que je faisais lorsque j'ai emménagé en Guadeloupe il y a maintenant de ça quelques années, et ma volonté c'était vraiment de leur transmettre ce que je découvrais visuellement, à savoir les paysages, la culture, la gastronomie, enfin tout ce qui me touche depuis que j'ai quitté l'Hexagone. Et tout a commencé en fait à ce niveau-là. C'est vraiment la volonté de partager mes découvertes. Et donc j'ai monté mon blog sur Facebook, Tropic Vision, à chercher des anecdotes sur chaque chose que je transmettais, que je partageais. Et ensuite, en intégrant le service culturel de la ville de Grandbourg de Marie-Galante, c'est là où j'ai pu amplifier en fait ma volonté de faire de la photographie. Et ça s'est affirmé de plus en plus jusqu'à aujourd'hui à La Réunion où je fais de moins en moins de paysages pour aller de plus en plus vers les gens. Pour moi, une bonne photo de mariage, c'est une photo qui arrive à retransmettre l'émotion de la journée, principalement l'amour. Et ça, je trouve que c'est une chance pour les photographes qui sont amenés à travailler sur ce type de prestation. C'est celle de partager l'amour. Et donc, moi, c'est vrai qu'être le témoin de cet amour et essayer de le retransmettre en fait en photographie, c'est à mon sens ce qui se fait de mieux en termes de photographie de mariage. J'aime pas trop les photos posées où tous les invités passent en randonnion. Moi je suis plutôt quelqu'un qui aime les photos volées où on voit vraiment l'émotionnel, la sensibilité, les émotions. Hein. Vraiment c'est ça que je vais chercher lorsque je photographie. Alors en fait je propose différents formats, à savoir commencer en fait à partir des préparatifs du marié et de la mariée jusqu'à la soirée, ça c'est eux qui choisissent, ou sinon je peux être là juste pour la cérémonie, ça peut être des forfaits de 1 heure, 2 heures, une demi-journée, une journée entière. C'est à la volonté en fait des personnes ce qu'elles ont envie de garder comme mémoire en photo, et je suis assez adaptable. Donc ça m'est arrivé de faire juste la cérémonie, comme ça m'est arrivé de partager toute la journée avec les personnes que je photographiais. Il m'est arrivé quelque chose d'assez amusant. J'étais invité à un mariage en tant qu'invité et je me déplace tout le temps avec mon appareil photo, et j'en ai profité donc pour faire des photos de cet événement. Et lorsque j'ai transmis mes photographies à la mariée, en fait j'ai eu un retour que je ne m'attendais pas, puisqu'elle a préféré mes photos aux photos du photographe qu'elle avait engagé. Simplement en fait parce que le regard que j'ai porté sur le mariage était plus à l'image de ce qu'elle attendait des photographies de mariage, à savoir des photos où on ne pose pas, alors que le photographe qu'elle avait initialement engagé, lui, n'a fait que des photos de pose posées. Et donc pour moi c'est une anecdote assez intéressante, parce que je faisais pas de mariage à l'époque. J'étais un peu sceptique en fait sur ma capacité à pouvoir en fait faire des photos de mariage, et ce retour m'a en fait donné plus confiance, et aujourd'hui c'est avec plaisir que je me rends dans ce type d'événement pour retransmettre avec ma sensibilité la beauté de ce moment unique pour les couples qui m'appellent en fait. Voilà.